Hello les gars, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo try on haul. Donc j'ai fait une petite sélection de robes qui seraient juste parfaites pour le printemps. Donc j'ai décidé de faire un petit try on haul juste pour vous. Donc pour moi, c'est quoi la robe parfaite pour le printemps? Je m'explique. C'est une robe qui est assez épaisse quand même, tu vois, parce que le printemps, c'est pas l'été, tu vois. C'est bête dit comme ça, tu vois, mais en fait, au printemps, il fait toujours quand même un petit peu frais. Donc, c'est pour ça, je me dis, c'est toujours bien, tu vois, d'avoir quelque chose d'assez épais. Donc, j'ai pris des matières knit. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Je sais pas si ça se prononce knit ou knit. Je ne sais rien. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous savez. Mais en tout cas, vu qu'il y a un K devant, moi je dis knit. Donc oui, j'ai pris beaucoup de robes en knit que je vais enjoy en fait pour ce printemps. Parce que j'aime bien, tu sais, commencer à montrer les jambes, tu vois, mais pas trop. Et tout en étant à l'aise, tu vois, sans avoir froid. Il y a beaucoup de couleurs, voilà. Donc, c'est ça la particularité. C'est pas vraiment des robes d'hiver, tu vois, parce qu'elles sont assez épaisses, mais elles sont très, très colorées. Du coup, c'est vraiment, pour moi, la robe parfaite pour le printemps. Donc, on va commencer les séages tout de suite. C'est parti. Non. Attendez. Attendez. N'oubliez pas de vous abonner, d'accord? Aimez la vidéo, d'accord? Partagez-la. Il faut que la famille se grandisse. Il faut qu'à la fin du mois, les gars, on soit à 100, d'accord? Je vous donne pas de choix. À la fin de ce mois-là, on est à 100 abonnés, ok? Voilà, les dés sont lancés, voilà. Donc, abonnez-vous, aime la vidéo, active la cloche pour que tu sois prévenu quand je poste une nouvelle vidéo à chaque fois. Donc là, on peut commencer, c'est parti. Les gars, première robe, voilà. Elle est super moulante, mais elle est vraiment bien, tu vois. Elle est très, très... La qualité, elle est juste waouh, tu vois. Genre, elle est bien épaisse, genre, vraiment. Le matériel est bien épais. Bien élastique, tu vois, que vous pouvez voir. Par contre, le point négatif sur cette robe, c'est... En fait, elle est beaucoup trop stretch, tu vois. Genre, elle est trop rigide. Elle est élastique, mais rigide en même temps, tu vois. Je sais pas comment dire ça. Il y en a qui aiment bien, tu vois, quand c'est vraiment... Tu vois, ça colle bien à ton corps. Mais ici, là, quand vous avez une grosse tête, les gars... Si tu as une grosse tête, je te déconseille cette robe parce que moi, j'ai eu du mal à passer ma tête par-dessus, d'accord? Mais après, il n'y a pas de souci, je la porte, voilà. Et c'est juste parfait, tu vois, parce que tu as ce côté-là pour te tenir chaud et ce côté-là, tu vois, pour aérer, tu vois, pour prendre l'air, tu vois? Et elle va jusqu'au... Attendez, j'essaie de monter, je ne sais pas si on me voit... Yaïe! Les gars, je ne pouvais pas faire autrement pour qu'on voit mes pieds, tu vois. Donc, vous êtes obligés de faire avec. Mais en gros, elle est en dessous du genou. Donc, c'est juste... c'est quelque chose de bien, quoi. Mais franchement, validé. Ah non, franchement, la robe tube, elle fait toujours son effet. La robe tube, si vous n'avez pas une robe tube, les gars, procurez-vous une robe tube maintenant. I said now. Like what? No, are you mad? Non. Et vraiment, cette robe est en jette. Hein. La matière, j'aime beaucoup. Franchement, je sais pas les gens, si vous voyez un peu les matières knit, genre c'est vraiment des matières, elles en jettent. Hein. Genre vraiment, genre regardez comme ça épouse. Et en plus, c'est vraiment regardez, vous voyez? Ça, franchement, ça colle à la peau et c'est juste ce qu'on veut, tu vois. Donc la robe là, elle est coupée comme ça. Et j'aime trop, regarde la femme, la femme, la femme, la femme, la femme, la femme, vraiment la femme est fraîche quoi, la femme, non la femme, la femme. La matière, vous voyez comment elle est très très stretch, elle est magnifique, magnifique. Donc oui, c'est un oui, tout à fait un oui, et un oui, et encore un oui, et un oui, et un oui. Oui, 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 oui.
oui. Par contre, les gars, celle-là, je dis non direct. Je dis non direct parce qu'elle est trop petite. Elle est trop petite. Je vais pas me retourner parce que clairement, là, j'ai tiré, tu vois, mais elle est beaucoup trop petite. Attendez, je vais tirer. Voilà. Le dos, il est nu, vous voyez. Le dos est nu, mais la robe, elle remonte. Donc, à moins que je montre mes fesses, mais ce n'est pas le cas. Donc, non, c'est un non. Pour les gens qui sont grands comme moi, j'ai pris toutes mes robes en S. Si tu veux cette robe, ma chérie, prends une taille au-dessus, d'accord? Et sois au courant que la robe, elle remonte, tu vois? Si t'as des fesses ou, enfin, je sais pas. En tout cas, moi, c'est non. Celle-là, je la rends. Et aussi, je voulais vous dire un truc, les gars. Faites attention parce que la matière, c'est bien beau, tu vois? Elle est très très stretch, elle colle beaucoup à la peau, mais pour enlever, c'est une galère parce que c'est une galère, c'est vraiment une galère et je me tourne dans tous les sens, c'est pas possible. Genre, c'est une galère. C'est dommage quoi qu'on doit galérer, tirer pour que la robe elle entre. J'ai pas une grosse tête quand même à ce point là, c'est. Anyways, enfin bref, next one. Donc, nous avons une autre. Donc elle est très très, elle est serrée au niveau de la taille, je vous montre, vous voyez. Là vous avez des petits élastiques, donc franchement c'est très très joli des deux côtés. Mes impressions sur la robe. First one, les mains, enfin les bras. J'ai des longs bras, je suis grande, ok. J'ai des longs bras et ça me dérange un petit peu, tu vois. J'aime pas en fait avoir, enfin c'est un truc demi-manche, enfin non. Donc j'aurais préféré que la robe, elle soit un petit peu, avec des manches un petit peu longues. Donc bon, c'est vraiment dommage. Après, je vous le dis tout de suite, elle est très chaude la robe. Elle est très très chaude. Elle est super chaude. La matière, je vous la montre, c'est un pull en fait, tu vois. C'est un pull, vous voyez. C'est un pull. Et c'est vraiment super chaud. Là, je l'ai mise. Et j'ai chaud, genre j'ai vraiment chaud. Donc franchement cette robe, et elle est longue, donc franchement cette robe c'est vraiment parfait pour le printemps. Il y a un petit soleil, tu vois, il fait pas trop froid. Tu mets ta robe, tu mets tes chaussures, hop, tu sors comme ça. Et ça va, pas besoin de veste ou quoi que ce soit parce que là en fait la robe elle sert déjà de veste, tu vois. Et bon, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu la garder. Mais c'est pas possible parce que j'aime pas les manches, j'aime pas quand ça fait comme ça. J'aime beaucoup par contre, tu vois, la manière dont ils ont, tu vois, serré ici, tu vois, et ensuite relâché par-dessus, j'aime beaucoup. Donc ça te prend bien la taille et tout, tu vois. Wow. Enfin bref, la robe tube basique que tout le monde devrait avoir parce qu'elle est simple. Bon, après, moi, encore les bras, une fois de plus. Et franchement, je déteste ça. Je déteste ça, ça m'énerve. Voilà, mais elle est très jolie. Elle est très légère. La matière, elle est très, très bien. Je vous montre la matière de près. Genre, vous voyez. Très, très épaisse, tu vois. Donc, mais, ouais, franchement... Elle en jette quoi, elle en jette. Yes. Elle en jette quoi. Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je valide. Face aux choses sérieuses, regardez. Ok, c'est une robe tube, il n'y a pas de souci. Mais déjà, c'est pas une robe tube, c'est juste une robe tube, c'est une robe tube bleue. D'accord. Quand c'est bleu, c'est bon, le problème est réglé. Regardez les détails, regardez juste les détails. Regardez juste les détails, tu vois, magnifique, magnifique. Tu vois les détails, en fait c'est des petits trous comme ça et ça laisse respirer mais il y a de la matière en même temps. Tu vois le truc de ouf? Tu vois le truc de ouf? Leave that for someone else. Non franchement, je vous ai dit tout ce qui est bleu ça me réussit, c'est tout. Pour moi, en fait, c'est ce genre de robe, c'est vraiment des robes de printemps, tu vois. Parce qu'au printemps, il fait bon, il fait vraiment bon, tu vois. Tu vas pas laisser trop de peau, tu vois. Genre, il faut, tu vois, un peu de matière, tu vois. Mais en même temps, tu vois. Yeah!
Non, je crois que là, c'est ma préférée. Hein. C'est ma préférée. Genre, vraiment, j'aime beaucoup. Regardez ça. Elle est super sexy. Genre, ça, c'est clairement. Ah non, c'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi. C'est trop. C'est trop. Genre, en fait, j'ai l'impression que, je sais pas, genre, ça, c'est trop petit. J'aurais dû prendre une taille au-dessus, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, elle est trop. Elle remonte aussi, tu vois. Derrière, ça me remonte. Et enfin, je sais pas, tu vois, déjà les manches et tout. Et c'est serré aussi, tu vois. C'est serré. Tout est en S. Je fais du S, d'accord. Donc, je n'ai pas pris des petites tailles, d'accord. Je fais du S. Mais bon. Et franchement, les robes knits, là, elles sont super. Tu vois, la matière, elle est vraiment. Ça colle, quoi. Ça colle, quoi, tu vois. Mais ouais, franchement. Après, genre, robe de soirée. Ça peut donner, tu vois. Parce que bon, c'est comme ça, sur le côté. Elle est pas mal, la robe, mais en vrai, non, je la laisse. C'est la dernière bleue et c'est un oui total pour moi. Franchement, elle est super confortable. Elle est super confortable. Vous voyez le décoté. J'ai pas eu de mal à mettre ma tête dedans, tu vois, c'est entré. La robe, elle est, tu vois, les manches, elles sont longues. La robe, vous voyez, elle va jusque là. Enfin, un petit peu plus, tu vois, genre elle laisse comme ça, je dis. Mais vous voyez, elle est longue, elle est légère. C'est la robe vraiment parfaite pour, tu vois, genre le printemps. Genre, elle est vraiment belle et la couleur. Ouh, bah. Non, franchement, je suis contente. Je suis contente de celle-là. Franchement, regardez comme. En plus, regardez comment elle prend le corps. Genre, c'est là. Les gars, vous voyez la matière? Elle est magnifique. C'est une de mes préférées. Hein. Je suis désolée. Je sais pas, elle est super simple, mais moi, je suis quelqu'un. J'aime bien la simplicité parfois. Et celle-là, elle est tellement confortable. Elle est tellement légère. Et c'est un oui. Genre, c'est triple oui. C'est. Quadruple, oui. En fait, tes jambes, elles sont pas coincées comme ça, tu vois. Mais là, tu vois, tu peux vraiment. Non, hé hey, non. Bref, c'est bon, une de mes préférées. Guys, it was all a lie. It was all a lie. Oh, les gars, est-ce que vous voyez la même chose que moi? Là, on fait une petite pause. On fait une petite pause. Faites pause et regardez bien. Est-ce que vous voyez pareil que moi là? Vous allez le regarder? Est-ce que vous voyez la même chose que moi là? Non. La robe là, c'est vraiment le meilleur pour la fin. Et elle est confortable. Elle est confortable. Elle est sexy. Elle est. Ah, regardez le décolleté là. Vous voyez? Regardez les manches. Est-ce que. Tu vois, Zara, ils sont capables, mais pourquoi ils font pas ça pour toutes les robes? Tu vois? Non. Non, la robe. Et elle est. Attendez, je monte comme ça. Vous voyez? Moi, j'ai retenu une bêtise là. Vous voyez? La robe, elle est longue. C'est vraiment la robe. Voilà, qui qualifie le printemps. Si on dit printemps, on met cette robe à côté. Tu vois? Genre, printemps égale cette robe. C'est ma préférée. Elle est trop belle. Genre, elle répond à tout. Elle est confortable, elle est sexy, elle est. Et non, 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 je suis désolée. Si t'aimes pas, next. Si tu n'aimes pas, s'il te plaît, pars d'ici. N'aime même pas la vidéo, on n'a pas besoin de ton j'aime. Pars, s'il te plaît, pars. Pars seulement, ne laisse pas de commentaires, pars seulement. Non, franchement. C'est une couleur pour les gens heureux. C'est une couleur pour les gens heureux et que pour les gens qui veulent être heureux. Mais cette robe, tu vas voir comment ton mood il va changer, tu vois. Genre, what? Non. Meilleur pour la fin. Ça c'est meilleur pour la fin. Ça, c'est ma robe préférée. Top, top, top 1. Les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Je suis trop contente de l'avoir tournée avec vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi en commentaire votre robe préférée. En tout cas, voilà, moi, la mienne, elle est ici même.
Bref, je vais pas vous embêter plus longtemps. Commentez, hein, sérieux, commentez, aimez la vidéo, partagez-la, partagez-la. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!